Salut à tous, on se retrouve sur Minecraft dans cet univers très bleuté pour une nouvelle map, une nouvelle aventure. Il s'agit de Underwater Prison Escape. Et donc, comme le nom de la carte l'indique, le but c'est de s'échapper d'une prison sous-marine. Et ce qu'il y aura différentes choses, différentes énigmes. Enfin, on va voir ce que le jeu nous réserve. Alors, est-ce que je peux casser quelque chose? Non. Là, on dirait qu'il y a quelque chose. Oui. Si j'arrive à l'activer, voilà. Ah, ça a ouvert. Ça a ouvert ça. Et là, je peux passer à travers. Parfait. Par contre, ah, il y a un coffre qui me donne un bouton. C'est bien, j'aimerais bien savoir comment sortir. Il y a pas... Non. Je regardais s'il y avait une échelle cachée ou autre, mais... je peux pas poser le bouton ici. Si je lâche, il se passe rien. Si j'ai pas le bouton en main, j'ai pas d'autres possibilités, non. C'est bizarre. La peine à comprendre comment sortir. D'accord, donc je suis quand même allé vérifier voir si c'était pas un bug. Et on pouvait placer le bouton là-dessus, mais enfin c'est un peu bizarre. Enfin. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Du verre fragile et quelque chose qui me permet de casser un bloc. Et je peux faire ça pour le réobtenir. Alors, c'est-à-dire que je dois pouvoir placer. Je peux pas le placer n'importe où ces blocs. Ici, il n'y avait pas un passage. Non. Ah, c'est peut-être la lampe là-haut que je peux casser si je me mets en dessous. C'est bizarre, j'arrive pas à placer les blocs en fait comme je veux. Là, j'essaie de cliquer, il se passe rien. Et tout d'un coup, ça en place un, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre encore la logique. Ça a l'air de devoir être contre un mur qu'on peut placer un bloc. Apparemment, c'est ça. Ah oui, effectivement, c'est contre un mur.
contre, ça m'arrange pas plus. Alors ici, est-ce que j'arrive pas à les placer de l'autre côté par hasard? Non. Si j'active ça, est-ce que je peux voir sur ce que je peux casser avec? Non. Il n'y a pas indiqué. Je vois juste qu'il est vraiment à 1 de durabilité, donc alors ici il y aura la suite. En attendant, forcément, j'arrive pas à sauter ici à cause du plafond. Ah si, voilà. Par contre, ça m'avance quand même pas. En fait, je comprends pas ce qu'il faut faire. Ah, je peux placer aussi au plafond. Bon, ça change pas. Je suis toujours bloqué, mais. Ah, puis par contre, un petit bug. J'ai placé du verre ici et il n'a pas disparu quand j'appuie sur reset. Donc je pense que c'est pas là qu'il faut le mettre. Bon, du coup avec ça, ah, je peux casser un bloc du sol. J'ai pas fait gaffe. Pas celui-là, mais genre ici, je peux casser deux blocs. Bon, du coup, est-ce qu'il y a là-bas, il y a un truc dans l'angle. C'est pas la même salle, forme de salle. Vu que je peux casser deux blocs et que j'ai deux blocs à poser, ce serait pas. Enfin, je vois pas vraiment en quoi ça m'avance, mais apparemment c'est ça qui ouvre les portes. C'est bizarre. Alors 305, 306, 307. Bon, ça fait rien du tout. Alors, je vais aller visiter les autres cellules si je me fais pas enfermer. Alors, rien ici. Là-bas, il y a des
PNJ, je crois. Donc j'ai essayé d'éviter d'y aller pour l'instant. Un levier, intéressant. Ça, j'irai après. Rien. Ouh. Par contre, ils auraient pu renommer les objets. Ça fait pas très propre d'avoir du saumon et des choses de ce genre. C'est un petit peu dommage. Alors ici, il n'y a rien. Ah tiens d'ailleurs. Ah non, c'est normal. J'ai cru voir... Alors ici, je peux pas rentrer parce que la porte est fermée. J'ai bien un levier, mais par contre, j'arrive pas à le placer. Du coup, je vais aller d'abord explorer par là. La mine. Oula, il m'a fait peur. Ah, c'est sa tête. On va aller laisser sa tête. Je vais pas mettre. Alors, je peux miner, ça me donne la cobblestone, mais bleutée. Bon, du coup, je pourrais fabriquer un lingot de fer. Ah non, j'ai pas de table de craft. Je vais quand même miner ce que je peux. Ce sera sans doute utile plus tard. Est-ce que c'est les recettes normales? Apparemment pas. Enfin, si, c'est. Si, si, c'est les recettes normales. C'est peut-être un petit peu long, mais. Je préfère tout récupérer. C'est bon, je peux pas casser ce bloc-là. Il a pensé à mettre une protection pour pas qu'on se bloque. Qu'on se coince au fond d'un trou. Ce serait dommage d'essayer de s'échapper d'une prison pour au final retomber dans un autre, dans une fosse juste à côté. Non, jusqu'où ça va cette mine? Parce que là pour l'instant je creuse, mais. Ah ben voilà, ça va jusque ici. Du coup, je sais que je peux. J'ai plus encore beaucoup à creuser. Quelque chose me dit que la pioche va servir juste à ça, qu'elle va casser après. S'il a bien calculé son coût, puis qu'il a juste le bon nombre de blocs par rapport à la pioche. Allez, plus que un étage et demi. J'espère que ça sert à quelque chose que je fais.
que je suis pas juste en train de perdre du temps. Je vais aussi faire un peu de tri dans l'inventaire parce que ça sert à rien que j'ai de laisser toute cette cobble comme ça. Autant trier un minimum ce que j'ai ramassé. Bon, je vais prendre en priorité les ressources. Même si je pense que la pioche va tenir jusqu'au bout. Est-ce qu'on met l'utilisation? Ouais, j'ai pas l'indication. Je vais pas l'afficher. On va laisser faire les choses. J'aurais quand même pensé qu'il y aurait. Enfin, j'ai pas tout à fait terminé de creuser, mais j'aurais pensé qu'il y aurait un bonus. Genre quelque chose caché tout au fond. Ah, ben voilà, la pioche a cassé. Bon, donc ici. Ah non, celle-là, j'ai déjà pu visiter. C'est l'autre côté que j'ai pas pu visiter parce qu'il manquait un levier. Je peux toujours pas le mettre, non. Donc du coup, allons voir par ici. Alors, chef Val, qu'est-ce qu'il a à me proposer? Non, j'ai pas envie de prendre sa tunique. Alors, de la rotten flèche. Et des pots empoisonnés, oui, c'est un repas de prison, effectivement. Et puis toutes les bonnes choses sont inaccessibles. Je vais quand même lui prendre son stuff. Même si j'en ai pas besoin. Ça lui apprendra. Bon, une pomme, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas besoin de manger, mais ça peut toujours être utile. Alors, par là, je vois rien de particulier, à part un coffre ici, une carte. Une pomme plus un diamant, ça fait quelque chose apparemment. Diamant, pomme, non. Ça a l'air d'être une pomme d'or, mais j'ai pas de. Est-ce qu'il y a pas un four dans une des salles par hasard? Non, ça je suis pas encore. Je vais tout laisser ouvert, ce sera plus simple. Toujours pas. Voilà, c'était la salle de départ, ma cellule, donc je peux pas y entrer. Pauvre chef, Il est tout misérable comme ça. Il n'y a rien d'autre, non? Il n'y a vraiment pas d'endroit où je peux. C'est bizarre. Parce que
Parce que je trouve aussi ces... ces objets que j'ai pas utilisés. Je peux pas manger la pomme, j'ai vérifié. Pas un autre coffre. Oh, excusez-moi pour cette interruption, j'ai eu un appel téléphonique. Et du coup, en fait, j'en ai profité pour vérifier le temps de la vidéo et j'arrive déjà à une durée d'épisode correcte. Donc je vais mettre un terme à ce premier épisode sur cette escapade. Dans une prison aquatique, enfin une prison sous-marine plutôt. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, il y a toutes les infos dans la description. Il y aura également un lien vers la map si vous voulez la faire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.